Bonjour, aujourd'hui on est dimanche, c'est une super belle journée, il annonce 15, je vais aller marcher avec ma mère tantôt, mais là, avant qu'elle arrive, je pense que j'ai le temps de commencer plus officiellement que ce que j'ai fait l'autre fois, mon cutting garden, fait que je vais faire ça, je vous en avais parlé, c'est pour ça aussi que j'ai fait plein de semis de fleurs cette année, parce que c'est vraiment plus économique first, mais c'est ça, c'était vraiment pour aller dans cette section-là, comme ça je vais les voir pour la première fois, puis après ça, s'il y en a que j'aime, tu sais, je pourrais les intégrer ailleurs, mais c'est ça, là, je vais juste faire la petite préparation parce qu'on est allé acheter de la terre un matin et tout, et c'est juste l'intro du vlog, ok? C'est pas un vlog jardinage, là, je sais, je fais vraiment beaucoup de vlogs de plantes, puis je m'excuse parce que je sais que c'est pas tout le monde qui écoute ça, mais demain, j'étais censée aller avec mon amie Charlotte au jardin botanique parce que là, les arbres sont en fleurs, c'est trop beau, mais il annonce de la pluie ou un peu froid, fait qu'on sait pas si on va reporter, mais en tout cas, je voulais vlogger un petit peu là-bas notre journée de shoot, ça serait vraiment le fun, mais je sais pas, bref, si ça donne pas, je vais combiner ce petit début de vlog avec autre chose. Je sais pas, garde. On improvise aujourd'hui, fait que je m'en vais vous montrer ça. Mes bottes sont dehors, sont dehors. Je me suis pris des petites fleurs. Les premières annuelles, des pensées, j'en ai jamais eu, mais je trouve ça super beau, puis c'est comme bleu mauve, c'est en plein dans mes couleurs. Sauf que je comptais les mettre dans mes petits bacs ici, là. Ceux que Pat m'a fait l'année passée, donc ces trois-là ici. Mais j'ai vu après que c'était mi-ombre, c'est pas plein de soleil, puis ça, l'été, c'est plein de soleil. Fait que j'ai juste pris un petit paquet comme ça en caissette, puis je les ai mis là-dedans. Je trouve ça trop, trop beau. Mais là, je m'en vais vous montrer le tulip show! Les petits semis prennent l'air. Ceux-là aussi. Ah, là, je suis en train de tout recochonner le deck. Non! On a ouvert la piscine. Ben, en fait, que la piscine l'a ouvert. Elle est pas encore propre, mais ça va venir. Ok, c'est ici qu'on va travailler vite vite un matin. Je vais juste ranger la super tondeuse dans le petit shed. Ça paraît-tu qu'on est en train de faire des projets dans le cours? Hey, ça n'a pas de sens. Ok, on va ranger ça parce que Pat l'a fait là. Fait que ça c'est le petit espace que je me suis laissé pour mes fleurs à couper. Ici il y a déjà des bulbes, fait que normalement ce qui va pousser le printemps prochain, ça va être comme pour couper pour la maison ici. Ça restera pas là. Fait que soit je les laisse là, soit j'y mets dans des pots en attendant. Mais en tout cas, peu importe, ça, je vais le déplacer. Mon petit teint citron qui est là pour aucune raison. Puis c'est ça, j'ai juste comme coupé un peu les dimensions que je voulais. Mais mon but, ça serait d'enlever un peu de terre puis d'ajouter de la bonne. Parce que ça, c'est pas de la bonne terre. En tout cas, c'est de la terre qui a jamais été travaillée. Fait que tu sais, je veux comme l'enrichir un peu. Puis après ça, mettre du paillis, tu sais, éventuellement mettre une mini clôture ici juste pour faire cute. Et après ça, avec le paillis, tu sais, pour garder ça exempt de mauvaises herbes, je vais pouvoir planter éventuellement en mai mes petits semis que vous avez vus tantôt. Oh, ils sont bien coudons. Shit, mon pot est trop petit. Ok, je vais chercher un autre pot parce que ça a beaucoup de racines, coudons, cette affaire-là. Ah, okay. Oh, ça sent bon, je l'ai touché, ça sent tellement bon. Ça c'est mieux. Ok, ça c'est fait. Ok, mais là j'étais quasiment en train d'oublier de vous montrer mon tulip show. C'est parce que ça dure tellement pas longtemps, puis genre je viens de flasher que dans mon dernier vlog, si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez vu qu'on savait pas trop s'il allait remonter, s'il allait survivre. Eh ben, la nature est phénoménale. En deux jours après, ils ont fleuri. Sauf là, à cause qu'il y a eu de la grosse pluie, l'autre jour ça a fait comme l'année passée. Il y a je sais pas quel rongeur qui est venu me manger une coupe de tulipes. Fait que c'est pour ça que j'ai filmé là, avant qu'il n'y en ait plus. Fait qu'on va en profiter là, je vous montre ce qui reste. C'est quand même très beau. Bon, ici il y en a deux qui sont mortes. Avec une qui reste là, mais ouais. J'adore. Moi je dis que c'est de toute beauté. J'avais pas vu ceux-là encore, c'est leur première année. Ils viennent aussi du Dolo, mais c'est des roses pâles, genre un petit peu plus corail, mettons. Je trouve ça trop beau! Oh my god! Je sais pas si vous en souvenez, j'avais découvert l'année passée que beaucoup de chrysanthèmes qu'on utilise comme des annuelles sont en fait vivaces. J'avais fait des tests et je pense que j'en avais mis trois ici. En tout cas, la seule qui a survécu, c'est celle-là. Je sais plus sa couleur par cœur, mais il y a une toute petite pousse là. Fait que, ouais, bien enterré, tu sais, avec bien du paillis l'hiver, là, ça peut survivre. Et fait que là, je pense que je vais juste enlever le plus gros, genre des mauvaises herbes que je vois. Au cas où que ça repousse, puis après ça, ouais, ça aussi, mon dieu, oh, ça arrête pas de germer chez nous, je sais pas chez vous, là, mais ces érables-là, c'est terrible. Je vais juste faire un petit ménage, après ça, on va ajouter de la bonne terre et du paillis.
parle-moi de ça, un petit projet rapide. Ça fait au moins beaucoup plus clean et vraiment délimité maintenant comme espace. Fait que tout ça va être un beau petit jardin de fleurs coupées, puis on va pouvoir planter les semis très très bientôt. Youpi! T'étais-tu en train de te laver par hasard? Re-salut tout le monde, on est mardi matin et je suis pas allée au jardin botanique hier, donc je sais pas, peut-être qu'on va y aller vendredi, mais je veux dire, c'est une drôle de semaine où ce que la pluie, ben y en a, mais ça arrête pas de changer de jour en jour. Il fait super gris et moche aujourd'hui, comme hier. J'ai eu ces journées-là, sérieux, qui fait juste froid, humide, gris. C'est déprimant un petit peu. C'est pas, j'ai juste tellement hâte qu'il fasse chaud. Tu sais, comme fin mai, là. Oh, ça, c'est parfait. Je peux aller planter mes enfants dehors. Puis la saison va vraiment commencer officiellement. Mais non, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps pour vous montrer mes cadeaux de fête. Hein, vu que j'ai eu 29 ans dernièrement, je vous en avais parlé dans mes vlogs précédemment. Puis vous m'aviez dit que vous étiez curieuse de voir qu'est-ce que j'ai reçu. Et comme toujours, vous savez, c'est pas dans une optique ben, de show-off. C'est plus dans l'optique, en fait, de donner des idées cadeaux, soit pour vous éventuellement ou pour. Pour ben, offrir à quelqu'un. Petite cutie, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, continue! Fait que je vais aller ici en premier parce que j'ai reçu deux livres. Je vais vous montrer ça. Il y en a un que j'ai fini. Fait que je vais pouvoir vous faire un petit review en même temps. Puis l'autre, je l'ai feuilleté juste à date. Donc le premier que j'ai eu, c'est, je pense, le petit dernier de Larry Hudson. Vous savez, mon idole en jardinage. Donc c'est les plantes d'intérieur. Il y a plus que 1000 plantes à l'intérieur. 300 fiches de plantes, vous voyez. Donc, tu sais, pour la personne qui aime collectionner des plantes ou qui veut genre des spécimens un peu plus rares, ils sont toutes là-dedans, j'ai l'impression. C'est vraiment, vraiment complet. Vous avez aussi des conseils, tu sais, pour commencer, là, comment on s'occupe de, ben, de plantes d'intérieur. Ça, je l'ai lu, dans le fond, cette partie-là. Je trouvais ça full intéressant parce que c'est très, très, très complet. Genre, j'ai encore appris des choses grâce à ce livre. Alors, j'ai pas regardé encore chaque fiche, mais c'est le fun parce que, tu sais, tu peux identifier aussi les plantes que t'as, là. Je veux dire, il y en a... Fait que d'après moi, vous allez pouvoir les trouver là-dedans. Deuxième livre que j'ai reçu, je l'avais spoté sur internet, je le connaissais pas, puis je trouvais la couverture donc ben magnifique. Genre, je trouve ça juste trop parfait, on dirait le mix de tout, c'est en plein mon genre. Donc c'est Made for Living et c'est une fille que je suivais déjà sur Instagram, je vais vous montrer, je pense qu'elle a sa photo à la fin. Oui, ici, ok. Donc c'est Amber Lewis, son nom. Et c'est ça, elle a donc bon, sa boutique d'objets déco, mais elle est super populaire aussi sur Instagram. Et donc c'est une designer d'intérieur, donc c'est juste un espèce de beau coffee table book, je dirais là. C'est vraiment en fait pour trouver de l'inspiration, les photos en dedans, sérieux, ça me fait rêver, j'adore son style. Elle va souvent incorporer plusieurs styles ensemble, tu vas avoir des petites touches, mettons du lambris qui fait plus vieillot, ou des poutres, des choses comme ça, des beaux accents en matière naturelle, genre tu sais du cuir, de la laine, je dis n'importe quoi, tu sais, des coussins toujours très texturés, des plantes ou genre des branches dans un vase. Ça fait vraiment intemporel, puis comme chic, décontracté aussi, je dirais. Fait que j'aime vraiment, vraiment beaucoup son style. Il y a plein de photos là-dedans qui me font rêver, puis je vous le conseillerais en fait vraiment surtout pour ça, parce que ben il y a des conseils aussi. Évidemment, là, il y a du texte, il est en anglais, le livre, mais je trouve ça... un peu difficile, j'ai l'impression, pour certains designers parfois d'exprimer en fait leur truc dans un livre. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà lu des livres de déco, il y en a qui sont plus ciblés, tu sais, conseils, mais ça pour moi c'est vraiment plus un livre de belles photos, tu sais, puis d'inspiration, parce qu'elle va parler en fait beaucoup des transformations de maison qu'elle a faites, mais des fois c'est ça, je trouve, il y a des personnes qui ont comme le sens du style inné, puis que c'est un peu dur pour eux à le translate genre dans un livre, et ça pour moi c'était le cas, tu sais, mettons au début, il y a une grosse partie qui va parler des peintures blanches, genre ses peintures blanches préférées, fait que tu sais, c'est le fun à savoir, mais je me disais, ça aurait peut-être pu être, mettons, un contenu de blog, là, aussi, tout simplement, fait que c'est pas, tu sais, niveau écriture, c'est ça, c'est plus comme donner des petits trucs par-ci, par-là, puis raconter un peu ses expériences, à côté de chaque photo, ça va être écrit, on a utilisé tel matériel parce que c'est beau avec ci, ça vient rechercher cela, mais pour moi, sérieux, en tout cas, je vais prêcher pour ma paroisse, mais tu sais, dans mon deuxième livre, Viens chez moi, j'essayais de donner des conseils qui sont un peu plus... pointu, je sais pas comment dire, tu sais, des conseils qui sont facilement applicables, parce que ça, faut pas oublier, c'est comme l'émission sur Netflix que j'adore, là, de... comment ça s'appelle?
Dream Home Makeover, de quoi de même. En tout cas, Maggie, je sais pas si vous les suivez aussi sur Instagram, j'adore ce qu'ils font, c'est pareil comme ça pour moi, c'est genre 10 sur 10, là, je trouve ça trop beau leur déco, sauf qu'ils font genre des maisons de millionnaires, ok? La plupart d'entre nous ici n'avons pas de maisons de millionnaires, donc c'est super beau puis super inspirant, mais des fois c'est pas réaliste pour nous, là, tu sais, juste quand tu vois les hauteurs des, des plafonds, les grandeurs des pièces et des maisons et tout ça. Fait que c'est ça, c'est le même genre pour moi que Maggie, c'est super beau, super inspirant, mais niveau conseil, ouais, je trouvais ça un petit peu moins facile à reproduire si on veut, fait que c'est ça. Et prochain truc, j'avais demandé ça parce que ça faisait plein de fois que je le voyais ça aussi sur internet, puis les reviews étaient bons, puis je me suis dit que ça serait utile parce qu'on en mange quand même relativement souvent, des avocats! Ça, c'est de la marque OXO. Et c'est ça, c'est comme un tout en un pour les avocats. Mon dieu, j'ai même pas eu la chance de le tester encore. Ça n'a pas donné que j'avais des grosses têtes d'avocat. Mais vous avez un petit couteau ici, le truc pour enlever le noyau et ça surtout qui m'intéressait, qui est comme un genre de petit slicer. Tu sais, ça va venir faire des tranches quand tu scoopes ton avocat comme ça. Fait que là, au moins, tu salis juste une affaire. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Mais ouais, ça, c'est le genre de truc que je pense pas tout le monde a dans sa cuisine que je trouvais le fun à mentionner. Autre nouveauté dans ma cuisine que je suis vraiment vraiment excitée, c'est notre nouveau grille-pain. J'avais demandé un petit peu au look vintage. En fait, on était dû pour le changer, le nôtre il allait mal. En fait, c'est surtout en ayant celui-ci qu'on a réalisé à quel point notre dernier y allait mal. Il était comme noir là, puis il était dans le coin là-bas, là, je l'ai mis là ici en attendant. Mais en tout cas, je suis genre vraiment fan. Patoussi, il fait des toasts en genre 2 secondes. Ça n'a pas de bon sens comment il grille fort et rapidement. C'est pour ça que je vous dis, avec notre hôte, il s'en allait comme rendre l'âme, mais là, j'en revenais pas à quel point que, ben, qu'il s'en venait désuet dans le fond, parce que celle-là, il est complètement fou. C'est un deux tranches comme notre ancien, mais j'aime full son petit look rétro, genre il fait vraiment vintage, fait que je le trouve beau. Puis non, on n'a pas acheté le Smeg, qui est vraiment vraiment cher. Celle-là, honnêtement, ça fait la job. Apparemment, l'autre, il est même pas tant bon aussi, là, que c'est plus ben, une question d'acheter la marque, mais moi, je suis pas vraiment une fille de marque d'envie, fait que Pat, il a trouvé celle-là. Il y en avait un autre que j'avais spoté sur Internet que j'aimais, mais il l'avait plus, il était plus dispo. Il était comme peut-être un peu moins blanc, genre plus un genre de taupe pâle ou genre gris-blanc, je sais plus trop. Mais lui, écoutez, il fonctionne super bien. Fait que le Team Kitchen, mesdames et messieurs, ouais, vraiment une belle acquisition. Il fonctionne très très bien, il était bien noté aussi, fait que bref, c'est tout. C'est vrai, j'ai failli oublier parce qu'il était rangé, mais j'ai aussi eu une carte cadeau du centre de jardin Brossard parce que c'est un de mes centres de jardin. Bref, oh, c'est tellement grand, c'est tellement... Il y a plein de choix, fait que j'ai aussi reçu ça. Fait qu'en tout cas, ça, il y a rien de plus à montrer pour l'instant, mais ça fait vraiment mon bonheur. Et finalement, les deux derniers trucs que je vous montre, c'est des vêtements. Fait qu'on va aller dans mon bureau. J'ai un chandail en fait que ma soeur m'a refait, elle m'avait déjà fait, mais c'était comme une ancienne technique qu'elle a utilisée que ça a pas tenu en fait le logo. By the way, ça c'est mon stock jardin botanique, c'est genre le linge que je voulais shooter là-bas. Mais là, il est stand-by là. Bref, vous vous souvenez peut-être de ce chandail-là. Elle me l'avait déjà fait il y a quelques années. Là, c'est avec Cynthia d'Erasmoquette. J'adore, tu sais, genre, j'aimais tellement pour elle le concept. C'est tellement drôle. C'est écrit en bas: Defying beauty standards since the 90s. C'est juste tellement parfait parce qu'en plus, quand j'étais petite, là, le monde au primaire, il me chantait des fois cette chanson-là parce que c'était comme la pub. Est-ce que vous vous rappelez, les gens de mon âge, il y avait la pub d'Erasmoquette qui jouait genre entre les émissions à une certaine année, très souvent, que le petit gars, je sais plus son nom, il chantait genre « Oui, c'est Cynthia! » Parce qu'il était comme amoureux de cette poupée-là qui était super laide avec ses cheveux arrachés pis tout. Fait qu'en tout cas, pour moi, c'est juste des trop bons souvenirs pis ça me fait rire parce que la quote, ça me correspond fois mille, là, au sens que je suis née dans les années 90 pis je travaille en beauté. Fait qu'elle m'a refait, ouais, imprimer cette fois ce beau pattern que j'adore. Je sens que je vais tout le temps le porter pis là, je vais vous montrer le dernier truc que j'ai. C'est un peu gênant, mais je vais vous montrer pareil, tant pis, là. En fait, c'est des bobettes, ok? J'avais demandé ça parce que j'ai découvert cette marque-là récemment et je trippe, alors je voulais comme progressivement changer toutes mes trop vieilles, trop laides bobettes parce que je me rends compte avec le temps qu'il y a des tissus qui sont vraiment moins confortables que d'autres, là, on va se le dire. Puis ben, y en a qui sortaient un peu serrés et puis tout ça. Fait que c'est ça, progressivement je voulais les remplacer par elles parce que j'ai jamais trouvé en fait des bobettes aussi confortables. C'est vendu en ligne, là, j'ai jamais trouvé ça en magasin, ça s'appelle Exoficio. Ok, et je les avais découvert en fait dans un article qui parlait justement de bobettes confortables qui respirent. Et c'est pour ça que c'est un peu gênant déjà de parler de bobettes, mais encore plus de, ben, de tout ce qui est, je sais pas comment dire, là, odeur féminine.
Là, là j'espère que je vais pas être la seule. C'est pour ça que je me mouille un petit peu, mais j'espère que je serai pas la seule. Parce que c'est genre l'affaire que d'habitude, on est même trop gêné pour parler avec ses amis. Fait que comme moi, j'aurais aimé ça plus jeune, mettons. Qu'une youtubeuse en parle, fait que je vais en parler. Mais tu sais, c'est ça. Surtout l'été, hein, si je fais du sport ou tu sais, que je suis en train de jardiner et tout, sérieux, des fois il fait chaud, donc il fait chaud partout. Et oui, c'est normal d'avoir certaines odeurs down there, tu sais, à moins que ça sent vraiment comme le poisson pourri, comme ils disent là, faut comme consulter parce qu'il y aura peut-être un petit problème là, niveau, tu sais, avec la gynéco et tout ça, elle va pouvoir déterminer ça. Mais ça reste que c'est quand même normal qu'on sente quelque chose en bas, même si je sais qu'on aime pas ça. Je vois tout le temps des TikTok passer là-dessus, je sais pas vous autres là, mais comme quoi que dans le fond, tu sais, c'est une petite machine très sensible, tout ça, et d'utiliser des produits en fait qui n'auraient pas un pH équilibré, ou en fait d'utiliser des produits tout court, apparemment que ça serait pas une bonne idée. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens maintenant qui en parlent pour normaliser ça, en fait, que c'est normal qu'on ait une petite odeur là. Bon, là j'ai vraiment des second thoughts, je suis comme, c'est vraiment TMI parler de ça, ça pourrait servir contre moi, j'ai l'impression. Non non, mais tu sais, vous me direz dans les commentaires là, vous êtes plus anonyme que moi en ce moment là. Mais non, c'est normal, tu sais, d'avoir une petite odeur là, tu sais, je veux dire, c'est des plis de peau là, comme... À un moment donné, on peut pas faire des miracles quand il fait 35 degrés l'été. Donc, tout ça pour dire que ces bobettes là, ils ont un... Je sais pas c'est quoi le système, la patente qu'ils ont créé, mais c'est un système qui fait que t'as moins chaud là-dedans et que ça filtre donc aussi les odeurs du même coup. Et je vous jure, je vois tellement la différence entre ça puis mes bobettes de coton, mettons, régulières. Ça, c'est nylon et spandex, je pense. Ouais, exactement, 94% nylon, 6% spandex, et ça respire là, on dirait que tu portes rien, c'est léger, ça reste frais. Peut-être que je vais regretter d'avoir mis ça en ligne, mais regarde, si j'aurais aidé des gens en silence, tant mieux. Fait que c'est tout pour mes cadeaux. Ok, dernière chose pour aujourd'hui, le plat que je suis en train de me faire chauffer dans le micro-ondes, c'est ça que j'ai fait hier, c'est tellement bon. Fait que si vous avez le deuxième livre de Jean-Philippe, là, essayez ça. C'est comme un genre de tofu à la marocaine, c'est trop bon. Je l'avais jamais fait parce que Arissa, je sais que c'est piquant, puis moi je mange pas piquant, mais on a juste pas mis la sauce piquante et c'est un délice. En fait, juste la recette ici là, de tofu pané, oh, c'est tellement bon, mais avec tout ça, là, un petit peu de sucré, avec les genres de raisins secs réhydratés, les amandes, vous avez le poivron, courgette, c'est tellement tellement bon, j'adore. Voilà, pas aussi beau que la photo, mais promis, c'est vraiment très savoureux. Hello, hello! On est maintenant jeudi. Je sais même pas si je vais au jardin botanique demain encore. Faudrait que je reparle à mon amie. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je me lance dans les produits ménagers DIY. Je vais me refaire, j'attendais juste d'avoir une journée libre à mon horaire pour m'y remettre parce que, ben c'est ça, ça prend un certain temps, là, tu sais, tout dépendant combien j'en fais. En fait, je vais en faire des nouvelles que j'ai jamais testées parce que j'avais reçu la trousse des trois essentiels, genre ménage du printemps, je pense que ça s'appelle, ouais, c'est ça, ménage du printemps. Donc, on a un nettoyant tout usage, un concentré fenêtre et miroir et un nettoyant en plancher. Je suis vraiment excitée d'essayer ça honnêtement parce que... Je trouve ça fun, à chaque fois ils ont comme une nouvelle thématique et donc des nouveaux produits. Mais j'ai aussi des trucs en backup pour refaire en fait certaines de leurs recettes que j'ai aimées. Genre la mousse récurrente là, il faudrait que j'en refasse. Donc tu sais, j'ai du bicarbonate de soude, j'ai mon vinaigre ici et tout ça. Fait qu'on va, on va se lancer, mais pour rendre ça un peu différent vu que j'ai fait quand même il y a 3 mois je pense à peu près une vidéo genre complète sur le sujet de ben, les produits ménagers DIY, ceux que je fais et tout ça. Là je me suis dit en fait que pendant que je l'ai fait, ça serait le fun que je réponde à vos questions sur le mode de vie, on va dire zéro déchet. Je suis vraiment pas zéro déchet dans la vie, mais j'ai quand même plusieurs trucs que je fais qui sont écolo, fait que j'avais envie de répondre à vos questions parce que je pense que ça l'a jamais à donner. Et aussi j'avais fait un concours avec la Luma cet hiver sur mon Instagram, puis j'avais demandé aux gens si par rapport au mode de vie, c'est ça un peu écolo, zéro déchet et tout, ils étaient intermédiaires, débutants ou avancés, et vraiment beaucoup de gens, genre la majorité des gens ont dit vraiment débutants mais qui souhaitaient en faire plus. Donc j'avais été un peu surprise quand même des résultats, j'aurais cru que... Bonjour Lily! J'aurais cru qu'il y aurait un peu plus de gens excusez, intermédiaire. Oui, cocotte, parce qu'on attend que tu te passes là.
Mais non, puis je pense qu'honnêtement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, tu sais, ils savent pas trop par où commencer et tout ça, mais en réalité, il y a pas de bonne réponse à cette question-là. C'est une question qui est revenue, genre, par quoi commencer? Commencez par quoi vous êtes à l'aise. Il y a tout quelque chose vers quoi on va être plus naturellement appelé, j'ai envie de dire. Il y en a que ça sera jamais, mettons, les menstruations écolo, là, comme j'avais fait un vlog direct là-dessus pour vous donner mon opinion, qu'est-ce que je préférais entre, genre, la diva cup, les serviettes, les culottes et tout ça. Mais c'est ça, c'est vous, ça garde, ça passe pas. C'est pas grave, c'est pas ça. T'sais, le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est de changer le plus d'habitudes qu'on est capable puis qu'on se sent à l'aise. Moi, je pense que c'est vraiment ça le but. C'est pour ça que, tu sais, il y a plein de gens qui aiment pas ça, le terme zéro déchet, parce que c'est vrai que ça met vraiment une grosse pression. Je pense que je veux comme enlever de la culpabilité aux gens avec mon vlog aujourd'hui. Fait que, en tout cas, c'est parti. J'ai screenshoté déjà une couple de messages. Là, je vais juste sortir. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite trousse ici? Ils m'ont donné une petite... ben ça vient avec la boîte apparemment. Une petite... je cherche le... Hey, la carte. Ils m'ont fait une petite carte en fait parce que c'était ma fête. Ils ont dit bonne fête encore, nanana. Ils me disent que mon code promo Cynthia10 fonctionne encore. Puis c'est ça, cette fois-ci, ils donnent un linge de microfibre dedans. Avec toutes les trousses ménage du printemps. Fait que voilà, merci beaucoup les filles. Vous savez, c'est qui probablement? C'est pas la première fois que j'en parle, mais je trouve ça vraiment le fun. Donc, c'est des petits kits pour faire ses propres nettoyants. Vous avez les recettes après, fait que vous pouvez les refaire. Et ça, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai screenshoté, mais je me rappelle que c'est une question qu'on m'a posée. Où est-ce qu'on peut acheter le stock après pour en refaire? Écoutez, ça dépend quoi. Il y a des choses que vous avez déjà dans votre cuisine, là, tu sais, tout ce qui est bicarbonate de soude, vinaigre et compagnie. Ça, vous avez déjà ça, c'est certain. Il y a des trucs comme ce savon-là, par exemple, que je pourrais pas vous répondre par cœur où est-ce qu'elle l'achète, mais je sais que ça existe de plus en plus, et ça dans plusieurs villes, des boutiques pour le zéro déchet, donc qui vont fournir un peu les espèces de matières premières, si vous voulez. Il y a l'Alouma sur la rive sud qui fait ça. Ils ont du vrac si vous l'achetez déjà, des produits ménagers tout fait, mais ils vendent aussi un petit peu certains produits de base pour en faire. Et sinon, les autres à qui je pense immédiatement à Montréal, c'est les Trappeuses. Je sais pas si vous connaissez les mauvaises herbes, les Trappeuses. En tout cas, ils ont une boutique. Ils ont beaucoup de matières premières pour faire vos propres cosmétiques maison, mais il y a aussi de tout pour faire des produits ménagers maison. Mais sinon, si vous avez pas de boutique dans votre région, vous pouvez toujours regarder en ligne, là, il y a de tout, là. Genre quelqu'un qui voudrait faire du zéro déchet sur Amazon, il pourrait. C'est sûr que c'est pas l'optique idéale, on s'entend, parce qu'on préfère encourager normalement des commerces locaux quand on se lance dans cette démarche-ci. Ok, attendez, ça, il faut que je sois sur le poêle, je vais voir s'il y a quelque chose que je peux faire ici. Ça, il me faut juste de l'eau bouillante pour le nettoyant à vitre, parce qu'il y a déjà dedans, ça ici, l'alcool isopropylique 70%, le savon, oh non, ça je pense qu'il faut que je le mette. Oui, c'est ça, faut que je dilue mon savon dans l'eau, et après ça, quand c'est refroidi, je vais le mettre dans ma petite bouteille ici, ok? Je peux aller faire bouillir de l'eau, je reviens. Pendant ce temps, je vais aller chercher une première question. Ah, j'ai Hélène ici qui me dit « J'aimerais savoir quels sont tes essentiels à avoir pour fabriquer ces produits ménagers maison. » Moi, perso, là, vinaigre, bicarbonate de soude, je pense que tu peux faire déjà ben des affaires avec ça. Ce qui est le fun, c'est que ça coûte rien, puis tout le monde a ça dans sa maison. Après, si tu veux upgrader un peu, savon de cassé, c'est le fun. Là, moi, j'achète ça chez Avril, ça coûte 15$ je pense, parce que c'est une grosse bouteille quand même, parce que t'en prends un peu, là, c'est concentré, puis tu peux mettre ça autant, tu sais, dans la... ben, pour faire de la lessive, que de la vaisselle, que, bon, des produits ménagers comme on va faire là, tu sais, genre un spray pour nettoyer. Des huiles essentielles? Il y en a qui aiment ça parce que c'est, bon, ça fait sentir bon, mais c'est absolument pas nécessaire. J'en ai, c'est juste que je pense pas vraiment les utiliser pour de vrai, puis c'est quand même cher. Fait que tout dépendant, si vous voulez que vos produits ménagers coûtent rien ou, tu sais, un peu plus cher, ben, à vous de voir. Mais pour vrai, c'est ça la base. Est-ce que j'oublie quelque chose? Il y en a qui diraient peut-être le savon de Marseille ou... tu sais, t'as d'autres trucs comme ça de base, mais pour vrai, là, bicarbonate de soude, vinaigre, tu peux laver tellement de choses avec ça. Ah, ok, ça c'est une super bonne question. Je vais y répondre pendant que ça bouge. J'entends même pas que l'eau boue encore. Je sais pas vous, là, mais moi, mon four, il est vraiment lent pour faire bouillir. Mais ça, c'est une bonne question de Marie. Quand tu fais un DIY produit ménager et que le résultat te convient pas, qu'est-ce que tu en fais? Parce que j'ai l'impression qu'en achetant au magasin, on n'a pas de mauvaise surprise, alors qu'en créant des produits, j'en ai qui traînent que j'aime pas, que j'ai mal au cœur de jeter à la poubelle. C'est drôle parce que récemment, j'ai eu deux fois la réflexion. Parce que là, c'était pas quelque chose que j'avais fabriqué, mais c'est un produit naturel de nettoyage qu'on m'avait envoyé, en fait, pour faire la vaisselle. Puis vous savez, si vous avez vu mon autre vlog de produits ménagers, mais moi, je faisais mon propre cake vaisselle, dans le fond, j'aime vraiment ça.
mais le nouveau que je teste en ce moment, je l'aime moins, mais c'est ça, c'est un produit écologique, fait que t'es comme, c'est un peu dégueu, c'est pas comme une bouteille de Dawn genre à moitié pleine que tu peux refiler à quelqu'un, là, c'est comme une barre, puis en tout cas ça vient un peu toute sale autour, ça a juste à donner, tu sais, que je préfère ma propre recette à ce savon-là écolo, mais tu sais, je me suis entêtée à le finir pareil, parce que, je veux dire, il nettoie quand même, c'est juste qu'il mousse moins que le mien, puis j'ai l'impression que, tu sais, ça en prend plus souvent. Sinon aussi, il y a comme un mois ou deux, on m'avait offert de tester des tampons démaquillants réutilisables d'une compagnie d'ici, puis j'avais dit oui, pas de problème, nana. Ils m'ont envoyé, puis finalement, j'ai été vraiment surprise, je ne les ai pas aimés du tout. L'épaisseur qui était très fine, la texture, ça, pour moi ça allait pas du tout, c'était pas de qualité. Genre j'ai été vraiment déçue et bon, j'ai pas eu le choix de le dire à la marque parce que j'ai dit ben ça je vais pas en parler parce que je suis pas satisfaite, mais c'est comme la première fois que ça m'arrive. Tu sais d'habitude quand j'en ai testé plein là, des tampons démaquillants réutilisables de différentes entreprises québécoises, puis ça c'est vraiment la première fois que ça arrive, mais ça c'était justement vraiment un coup que je me suis sentie mal parce que j'étais comme ben là qu'est-ce que je fais, ben tu sais je pourrais les donner à une amie, mais mettons que aucune de mes amies les veut parce que eux autres aussi ils trouvent qu'ils sont pas doux mettons pour la face ou peu importe. Là t'es comme bon ben on va les jeter, mais c'est plate parce que c'est comme le but contraire. Fait que clairement je comprends ta question. Dans mon cas quand même ça m'a pas pris 1000 essais erreurs avant de trouver des trucs qui marchent. Un peu plus la lessive, j'ai l'impression que la lessive tout le monde est un peu plus picky genre sur sa recette, puis qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça moins efficace que de la lessive conventionnelle. Mais tu sais comme un désinfectant là, tout usage là, pour vrai c'est pas compliqué à faire pour moi. Fait que ça arrive pas souvent, mais oui c'est vraiment plate. En fait je pense j'ai pensé ça aussi l'autre fois quand j'avais des serviettes réutilisables que je tripais pas, puis là j'étais comme est-ce que je me fais chier genre à les utiliser encore, ou sinon je fais quoi, parce que on s'entend mes amis ils vont pas les prendre là, mes serviettes réutilisables même s'ils sont bien bien propres là. C'est le genre de truc qui se partage mal, tu sais, comme la DivaCup. Alors dans ces situations là ouais moi je trouve ça plate, surtout que là quand c'est acheté ben ça coûte assez cher d'habitude mettons s'équiper en serviettes, fait que ça j'ai vraiment pas de truc pour ça malheureusement. Là, vu que j'ai mon eau chaude, puis ça, ça prend de l'eau froide, je pense que je vais l'utiliser en fait pour cette recette-là au lieu de celle-ci. Fait qu'on va prendre un quart de tasse d'eau bouillante avec le savon, puis on va diluer ça. Et on va... Bon, fait que vous voyez, ça c'est prêt. Bon, fait que là, pour le nettoyant tout usage, je vais mettre une tasse d'eau là-dedans. J'espère que je vais pas faire des dégâts. C'est de l'eau bouillie et blanche parce qu'il y a eu un petit peu de savon dedans, mais c'est tout. Alors... Wow! Ah, il me semblait que mon goulot fitait pas très très bien. Bon, voilà, une tasse. Bon, ben parfait, ça c'est fait. On met le petit spray. Et hop, ça nous fait notre super nettoyant tout usage. Je trouvais que ça sentait bon quand je le faisais. J'avais comme une petite drape de citron. Je pourrais faire un test, mon comptoir ici n'est pas nécessairement sale, mais tu sais, juste pour voir si ça chaîne un peu plus. Oh yeah! On va quand même juste voir comment le produit se travaille. Bon ben c'est propre. Ça l'était déjà par contre. Faudrait que je trouve un spot de la maison qui est comme plus sale, voir si ça arrive à bien décrasser, mais il mousse pas. Il mousse pas comme j'aurais peut-être pensé à cause du savon de cassis. Ben tiens, je viens de trouver une genre de tache de café à pâte ou je sais pas quoi. Ça a l'air d'un cerne de tasse à café, je sais pas. Oh non, je pense que c'est peut-être un affaire que... Oui, hier j'ai fait le lavage du... Ben le ménage du frigo, le lavage du frigo, ouais, ça doit être un genre de... de confiture, je sais pas quoi qui a coulé. Excuse-moi chérie, je t'ai accusée faussement. Mais en tout cas, vous voyez, c'est parti sans souci. J'aime vraiment l'odeur aussi, ça sent comme ben, l'alcool, mais aussi le citron, ça sent bon. J'ai trouvé une tache sur mes armoires. On va essayer. Bon, ben ça part tout seul. C'est bon. Bon là, je pensais que j'avais un plus petit entonnoir que ça, puis apparemment non. Fait que là, regardez, il me reste du papier parchemin, même si on s'en sert pas vu qu'on a des trucs en silicone, mais il m'en restait. Fait que bref, tant mieux parce que regarde, je sais pas si ça va marcher mon affaire. En tout cas, ici ça rentre, mais ici j'ai peur. Oh non, c'est clair, ça fait un dégât. Mais là, ça, est-ce qu'on essaye? Parce que je veux finir ce projet-là. Oh non, j'ai peur. Oh, projet de concentré. Est-ce que ça marche, vous pensez? C'est clair que je fais une grosse connerie, mais. Oh! Ça marche, ça marche! Ah, oh, ben ça a coulé un peu, mais pas beaucoup, là, franchement. C'est comme tantôt.
Oh yes! Bon, fait que deuxième produit défini, notre petit concentré pour les vitres. Faut que je lave mes vitres bientôt d'ailleurs. Mais je vais le garder de côté si jamais j'ai un miroir à laver. Tantôt on essaiera. Prochaine question, là, il nous reste juste un produit. Il va falloir que je fasse fondre ça dans de l'eau puis c'est fini. Là. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Qu'est-ce qui a été l'habitude de zéro déchet la plus difficile à ancrer dans ton quotidien? Mais je pense que moi, c'était pas... Ouais, c'est plus l'habitude de... Comme de nouvelles routines à adopter, plus que genre de swapper pour un produit, mettons. Genre, tu sais, justement, là, quand t'es plus dans ta semaine, après ça, c'est un peu chiant parce que tu dis, ah, oh, faut que je fasse une brassée de serviettes, genre. La COP, c'est moins d'entretien vu que t'as juste un truc, là. En tout cas, ça, j'en ai déjà parlé. Mais ça ou les cotons réutilisables pour les yeux, tu sais, moi, j'en ai beaucoup parce que j'aime mieux comme ça au lieu de le faire, genre, à chaque semaine, tu sais, comme ça, ça permet plus de latitude, je sais pas comment dire. Mais j'en ai vraiment comme une bonne batch. Fait que je le fais peut-être une fois par mois, maximum. Je vous avoue que il y a quelques mois, justement, quand j'avais pas le temps de refaire, mettons, mes recettes maison, genre mon cake vaisselle et tout ça, c'est niaiseux parce que ça prend pas tant de temps, mais des fois, t'as pas les produits sous la main, là, les ingrédients et tout ça. Fait qu'à cause de ça, tu sais, mettons, ça a donné que le mois passé, j'ai racheté du, tu sais, le shout, là, le produit détachant, parce que j'avais cette version-là des trois essentiels avant, mais là, regarde, faute de temps, des fois, t'as besoin de détacher du linge, je l'ai racheté parce que ça, justement, comme on disait tantôt, je sais que c'est efficace. Mais tu sais, je pense qu'il faut s'enlever un peu de culpabilité, là. Si déjà vous faites plein d'efforts comme ça, moi, je vous félicite, genre, déjà d'être conscient de ça, c'est très bien, mais à un moment donné, comme je dis, on n'est pas parfait, puis la vie continue, fait que tu sais, ça peut arriver, là, des up and down dans le zéro déchet. J'ai l'impression, là, l'autre fois, quand ça me tentait pas de faire ma brassée de serviettes, j'étais comme, ah, c'était tellement le fun, l'époque où je faisais juste en acheter, puis que j'ai jeté après, c'est tellement moins de trouble, honnêtement. Ben, tellement moins de trouble. Non, non, c'est pas si pire que ça, parce que sinon, je le ferais pas, tu sais, je suis quand même occupée, fait. Je pense que c'est plus une question de willing, là, avant tout, mais c'est qu'en même temps, ça revient tellement économique, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'avantages, là, c'est pas juste parce que c'est écologique, c'est tout plus économique, ce que je vous montre. Genre, à long terme, tu reviens tout le temps dans ton argent. Mais c'est ça, faut comme penser à s'en occuper, donc, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens qui filent moyen à cause de la COVID en ce moment, si vous, ça, là, c'est une charge mentale trop additionnelle, tu sais, trop intense pour l'instant... Ben tant pis, t'sais, faites qu'est-ce que vous pouvez faire ailleurs, t'sais. Pour moi, je vois ça comme un puzzle, on va tous se rejoindre dans le milieu, puis chacun peut faire ce qu'il veut, sans juger les autres. Je sais que c'est un peu angoissant des fois, là, si vous faites de l'éco-anxiété, je comprends la frustration de voir certaines personnes s'en foutre, mais en même temps, malgré nos efforts individuels, je pense aussi que ce qui est plus grand que nous, mettons les gouvernements et tout ça, faut qu'ils agissent eux autres aussi, parce qu'ils ont quand même... un peu le gros bout du bâton, j'ai l'impression. Bref, ça fait 4 minutes que je réponds à la question. On va aller terminer ce petit-là. Let's get physical, physical. Ça va tant, 2 tasses. Hein. Là, j'ai oublié ma petite fiche recette en haut pour refaire le fameux nettoyant, ben, la mousse récurrente comme ça, mais je pense que je vais juste le refaire à l'œil dans le fond pour avoir les proportions que j'aime. Puis ça prend juste du carbonate de soude, du savon de cassis puis de l'eau. Tu vas faire une espèce de pâte avec ça puis ça désincruste vraiment bien à cause du bicarbonate de soude.
suis en train d'oublier de finir mon vlog. Regardez tout ce que j'ai fait cet après-midi. Là, ça! Attendez. Petit disclaimer, parce que je sais que la couleur est un peu douteuse, mais c'est parce que j'ai râpé du savon de Marseille. Dans la recette originale des trois essentiels, c'est du savon qui est beige, là, fait que ça change pas la couleur. Genre, c'était blanc, mais là, moi, c'est un peu couleur morve. Mais c'est pas grave, ça sent bon, puis ça va être aussi efficace. Fait que, ouais, non, je pensais pas être capable de la refaire, mais j'ai été capable. Fait que tout ça de fait, moi, je suis vraiment très satisfaite. Ça, la mousse à récurer, j'en laisse un en haut, un en bas, comme ça, dans la salle de bain, puis dans la cuisine, ben, j'ai pas à les courailler. Fait que, voilà!